C'est arrivé comment? Aucune idée. Ah oui, donc la partie brûle et toi tu prends ta console. Bah quoi, ça coûte cher ce truc, t'as bien pris ton ordi toi? Y a des années de travail là-dedans, c'est pas pareil. Eh, hey, y a des milliers d'heures de jeu là-dedans, c'est pareil. Tu voulais quoi, que je reparte de zéro? Ça va pas la tête? Ouais, bah là on risque de pas avoir le choix. C'est ta mère? Non, c'est mon alarme. C'est bizarre, je prends plus la pilule, je sais pas pourquoi ça sonne. T'avais pas un rendez-vous important dans 20 minutes, un truc comme ça? Ah oui! Ça doit être ça. On s'occupe de ça oui. Plus tard. Mais je peux pas y aller comme ça. J'adore. C'est vrai? C'est frais, c'est léger. Ça fait réfléchir tout en restant un petit peu simplet. On sent vraiment la jeune femme qui a du mal à se bouger et qui, au lieu de se remuer les fesses, là, passe ses journées sur Internet. Ça me fait penser à ma fille. Et l'autre personnage, du coup, il est inspiré de quelqu'un en particulier? Lequel? Non, mais c'est pas grave. L'important, c'est vraiment que, du coup, ça parle bien à toute cette génération d'artistes dépressifs. Ils vont adorer, ça va se vendre tout seul. Bon, alors évidemment, faut tout reprendre de zéro, hein. Là, c'est encore très brut, bien que ce soit écrit avec style, évidemment. Mais bon, faut clarifier les dialogues, il faut remanier la structure, et puis il faut mettre un petit peu de conflit entre les deux personnages, parce que, pardon, mais là, ça dégueule de bons sentiments, ton truc. Faudrait tuer l'un des deux persos, pourquoi pas. Et puis, il va falloir trouver aussi l'acteur qui pourra jouer ces deux rôles tout en rendant hommage à ta justesse d'écriture. Et ça, ça va pas être facile. Hein. Vous voulez dire l'actrice? Alors, j'ai pensé, tu vois, et je trouve que ce serait un contre-pied super intéressant que cette partition très sensible soit jouée par un homme. Ce serait vachement moderne, tu vois, ce serait presque féministe. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, du coup, vu que... On va te trouver un petit gars avec une belle gueule, le genre stand-upper qui monte, ce sera parfait. Mais en fait, s'il faut repartir de zéro pour l'écriture, on n'est peut-être pas très pressé de trouver le casting, non? Si on peut déjà mettre un nom vaguement connu dans ton dossier, on aura moins de mal à la vendre ta série, crois-moi, mon chou. Je croyais qu'elle se vendait toute seule. J'ai lu ton bouquin. J'ai trouvé ça vraiment très touchant. C'est dommage que ça ait pas beaucoup marché, vraiment. Dis-moi, j'ai besoin de savoir un truc. Juste une petite question comme ça. Tu te vois où d'ici quelques années, toi? Je sais pas, dans 5 ans. C'est quoi ton objectif? Parce que le prends pas mal, mais moi je cherche des collaborateurs qui ont de l'ambition, tu comprends? Dans 5 ans... Je me vois... Je crois que je me vois pas, en fait. Vous savez, j'aimerais bien déjà réussir à me lever le matin sans me sentir comme une grosse merde. Sur un caillou qui tourne comme ça dans le vide et qui va bientôt exploser. C'est pour ça que j'écris des trucs.
Ouais, histoire de faire une pause avec ce monde plein d'absurdités, là. Mais c'est dingue, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est obligé d'être utile ou d'avoir un objectif pour avoir le droit de vivre. Et que si jamais on est ne serait-ce qu'un tout petit peu confus d'exister, bah on ferait mieux de fermer sa gueule. Peut-être que je fais pas assez de yoga. Je sais pas où je me vois, en fait. Continuer d'écrire pour les gens. Sans qu'ils se sentent obligés de me signaler si ce que je fais est bon ou mauvais. Et si j'ai finalement le droit de vivre ou si j'aurais simplement dû m'asseoir entre les flammes en me réveillant ce matin et attendre que ça passe. Parce que le prend pas mal, mais je cherche des collaborateurs qui ont de l'ambition. Le cinéma. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu écrire pour le cinéma. Eh ben, on va faire en sorte que ça arrive. Pour commencer, on va t'inscrire à une séance de pitch de série avec des producteurs. Il y en a une dans 3 mois. C'est parfait, ça va te laisser le temps de réécrire tout ça. Bon, eh ben, maintenant que c'est réglé, tu m'expliques ta tenue, là. Ça ? Ah, ouais. En fait, c'est pas à moi. C'est à ma coloc. Oui, parce que le truc, c'est que notre appart a brûlé ce matin, et vu que j'étais en pyjama, bah, j'étais obligée de lui emprunter ses fringues. Ton appart a brûlé ? Ouais. Mais faut absolument mettre ça dans ta série !